Bonsoir. Est-ce qu'il y a du monde de connecté? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, 32 personnes, ah oui, quand même. Écoutez, bonsoir à tous. Je propose d'attendre peut-être juste 5 minutes de politesse, on va dire, le temps que d'autres personnes puissent arriver avant de commencer. Si vous avez des questions et des remarques durant la présentation, n'hésitez pas du tout à les faire en commentaire. Moi, je les reçois directement, donc normalement, je peux y répondre en live. Je vais essayer de faire une présentation qui ne sera pas trop longue pour laisser le plus de place possible aux éventuelles questions. Et on verra en fonction, soit je répondrai aux questions au fur et à mesure qu'elles arrivent, soit éventuellement à la fin, je ferai un petit récap, un petit résumé en les reprenant toutes. En tout cas, surtout, n'hésitez pas. Une petite bannière. Alors, vous m'excuserez s'il y a des petits incidents techniques. Pas certain à 100% d'avoir une connexion Internet des plus fiables. Et je découvre la plateforme de diffusion de listening qui m'a l'air tout à fait fonctionnelle. Si jamais vous remarquez des soucis techniques de son ou de vidéo, n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires, que je puisse essayer d'arranger un peu les choses, parce que comme je n'ai pas vraiment de retour sur ce que je fais, si ça foire, il n'y a que vous qui pouvez me le dire. Je propose qu'on attende encore 2 petites minutes et puis je commencerai la présentation. Je pense qu'on en aura pour 1 heure au total. Après, ça dépendra du nombre de questions que vous avez, mais l'idée, c'est de ne pas vous prendre toute la soirée non plus. Pas de problème technique. Ah bah c'est bien, c'est la FDVF ce matin. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je peux afficher les questions qui me sont posées directement sur l'écran. C'est vachement bien. Franchement. Allez, encore 30 secondes et on commence. Peut-être en gros plan. Ok, alors c'est parti. Donc bienvenue à tous pour ce webinaire de l'ISNI qui a pour vocation du coup à vous présenter le DES de Dermato et à ce que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez à ce sujet. Moi je m'appelle Alexandre Teboul, je suis interne du coup en dermato à Paris en 4e semestre actuellement et je suis président de l'association des jeunes dermatos. Qui s'appelle la FDVF pour Future Dermato-Vénérologue de France.
Et donc, c'est avec plaisir que bah, je vous fais ce petit webinaire ce soir. Déjà, félicitations à tous parce que j'imagine que vous êtes tous en fin de D4, que vous avez tous passé l'ECN et que vous êtes tous maintenant très soulagés. Et j'espère que vous avez hâte de la vie qui vous attend après l'ECN. Et on espère tous que ce sera une vie qui sera faite d'autres choses que de confinement. Donc, sans plus de transition, je vais commencer à vous présenter du coup, les diapos que j'ai préparées. Alors, je n'ai pas réussi à faire mieux que cet affichage-là, je suis désolé, parce que si je mets en plein écran, le truc bug, j'arrive plus à voir les questions. Donc, bon, on va se contenter de ce format-là, mais je pense que ça ne posera pas trop de soucis. Donc, en préambule, voilà, campagne future interne. Juste pour vous faire le petit rappel, mais je pense que si vous êtes ici, c'est que vous suivez la communication de l'ISNI. Vous avez toutes les informations qui sont disponibles sur le site Futur Interne et notamment concernant la dermato. Si vous souhaitez approfondir des questions et notamment, et c'est ce que vous voyez normalement défiler sur le bandeau en dessous, contacter nos référents dans chaque subdivision. Vous pouvez vous rendre sur notre site fdvf.org où vous avez tout un tas d'informations, de renseignements et puis aussi une carte interactive où vous allez pouvoir trouver du coup tous les contacts de ces référents dans chaque subdivision avec un descriptif aussi qui a été mis à jour très récemment concernant chacune des subdivisions pour pouvoir directement vous adresser à eux si vous avez des questions plus spécifiques sur la dermatologie à tel ou tel endroit, parce que ça, c'est pas nécessairement des choses sur lesquelles moi je pourrais vous répondre très précisément, mais eux seront bien à même et sont bien sûr tout à fait disposés à le faire, à vous répondre, vu qu'ils ont accepté d'avoir leur contact qui soit affiché sur notre site, donc par SMS, par mail. N'hésitez surtout pas, ils sont réactifs et ils seront un plaisir de vous répondre sur ces questions plus précises. Donc l'internat en dermato, donc on va reprendre par la base, du coup c'est un internat de 4 ans, donc un internat de spécialité médicale qui est maintenant depuis la réforme du troisième cycle bah, se divise en 3 phases qui sont les mêmes 3 phases pour chacune des spécialités. Donc ça, bon, je vais faire un rapide rappel parce que je pense que si vous avez assisté à d'autres webinaires, vous le savez, mais si c'est le premier webinaire que vous regardez ou si c'est un peu flou pour vous, une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Donc voilà, maintenant, l'internat, c'est divisé en 3 phases. La première, qui est la phase socle, qui dure 1 an. La deuxième, qui est la phase d'approfondissement, qui dure 2 ans. Et la phase 3, la phase de consolidation du docteur junior, qui, elle, dure 1 an dans le cadre de la dermato et des spécialités médicales. Et donc voilà, sur la dermatologie, ça se décline en 1 an de phase socle, 2 ans de phase d'approfondissement et 1 an de phase de consolidation ou donc du coup de docteur junior. Donc la maquette en dermato, donc ça se décline en 8 semestres. La phase socle, c'est 1 semestre en dermatologie à l'hôpital de préférence, 1 semestre en CHU et 1 semestre hors dermatologie, donc un hors spé, généralement plutôt orienté rhumato, médecine interne, médecine polyvalente ou infectiologie par exemple. Et donc c'est une phase socle qui est censée être très encadrée. Donc c'est pour ça que généralement c'est plutôt des stages qui se font en CHU avec un encadrement qui est censé être plus important, notamment pour des internes du coup qui débutent et qui sont en premier, deuxième semestre et qui font leur premier pas, que ce soit en hôpital de jour, en hospitalisation conventionnelle, etc. Ensuite du coup se succèdent la phase d'approfondissement qui se décline en 4 semestres. Sur cette phase d'approfondissement, il y a 2 semestres obligatoires à valider en dermatologie à l'hôpital, que ce soit en CHU ou en centre hospitalier général. Et puis, 1 semestre que l'on peut faire, par exemple, en mixte, en dermatologie hors hôpital ou en libéral. Ainsi que 1 semestre hors dermatologie, donc un deuxième hors spé sur les 8 semestres qui peut s'effectuer dans un terrain de stage du choix de l'interne en fonction du projet professionnel, que ce soit bah, de nouveau de la médecine interne, de la médecine vasculaire, de l'infectiologie,
Éventuellement, même un stage de chirurgie pour ceux qui ont des projets plus orientés là-dessus. Voilà. Sachant que selon accord du coordinateur, du coordonnateur, pardon, de la subdivision, en fonction du projet professionnel, on peut aussi décliner un troisième semestre en semestre hors SP. Et puis ensuite vient la phase de consolidation, donc la phase de docteur junior. Alors, selon les spécialités médicales, ça peut être parfois des docteurs juniors d'un an ou c'est un an qui est fait dans le même service. En ce qui concerne la dermatologie, ce qui a été décidé et ce qui était la demande des internes, c'est ce qu'avait appuyé du coup l'association des internes, c'est que ces deux semestres finalement ne soient pas scindés en un seul et qu'on fasse du coup deux semestres classiques mais qui se font normalement en dermatologie. Après, bah, toujours pareil, selon projet professionnel, accord du coordonnateur, etc., on peut décliner, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une maquette de dermato, ça se décline en 8 semestres, dont 2 hors spé, un en phase socle, un en phase d'approfondissement. Et la particularité, et tout ça, je vais le détailler après, c'est que si vous souhaitez réaliser une FST dans le cadre d'un DES qui est en 4 ans, donc ça s'applique à tous les DES en 4 ans, alors à ce moment-là, ça rajoute une cinquième année d'internat. Alors que dans des DES qui sont normalement en 5 ans, faire une FST, ça s'intègre déjà dans la maquette. Et donc l'année de FST, elle s'ajoute à la phase 2, qui est la phase d'approfondissement. Je vais détailler après les différentes FST qui sont généralement faites lorsqu'on est dans un DES de dermatologie. Donc la dermatologie, et je pense que c'est une de ses forces, et c'est ce qui fait que c'est une spécialité qui est très attractive, très demandée à l'ECN aussi, c'est que c'est vraiment une spécialité avec énormément, énormément de facettes, énormément de pratiques différentes, énormément de modes d'activité différents, avec un recrutement de patients, de pathologies qui est extrêmement polyvalent et qui touche à de nombreuses sous-spécialités de la médecine en général. Donc, l'exercice en dermato. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que en moyenne, 80% des dermatologues vont être amenés à exercer en libéral, avec le développement de plus en plus d'activités dites mixtes ville-hôpital, notamment axées autour d'hôpital de jour ou de consultation à l'hôpital. Mais globalement, en dermatologie, dans les grands centres hospitaliers, il va se décliner des activités d'hospitalisation, où là, l'interne de dermato, en fait, il va avoir bah, finalement un rôle d'interne de salle, avec un recrutement, on va dire, qui va être assez varié, mais sur des pathologies plus graves de la dermato, et notamment aussi sur de l'onco-dermato, avec bah, voilà, toute la prise en charge des patients qui sont suivis en onco-dermato, que ce soit des mélanomes ou des carcinomes avancés, avec toute la prise en charge même de pathologies cancéro, on va dire du stade le plus bénin jusqu'au stade métastatique avec bah, les chimiothérapies, les immunothérapies, etc. Ça aussi, ça se décline pas mal, d'autant plus en dermato sur de l'hôpital de jour, voire de l'hôpital de semaine, parce que ce soit sur, par exemple, des pathologies inflammatoires, des pathologies de médecine interne, ce genre de choses qui peuvent être suivies en dermato, ou même de l'onco. Parce que bah, les perfusions se font en hôpital de jour. Il y a une grosse, grosse activité en dermatologie à l'hôpital qui se fait en hôpital de jour. Et puis après, bah, bien sûr, de l'activité de consultation. Et donc, de l'activité de consultation, bah, ça concerne les dermatologues installés, mais ça concerne aussi les internes, parce qu'il y a de nombreux terrains de stage, voire tous les terrains de stage de manière générale, qui ont une consultation d'interne ouverte, qui est généralement une consultation d'urgence. Et donc, très tôt dans le cursus de la dermato et peut-être plus que dans d'autres spécialités, l'interne est amené à faire de la consultation bien sûr supervisée, mais quand même de la consultation en autonomie et pas simplement assister à des consultations. Donc, ça aussi, c'est un des éléments qui est assez intéressant en dermato, c'est qu'assez rapidement, en fonction des terrains de stage dans lesquels on peut se retrouver, bah, on commence à se former à de la consultation. Après, voilà, il y a l'aspect très médical de la dermato, que je vais redétailler après, mais il y a aussi tout un pan beaucoup plus interventionnel, sans que la dermato, attention, ne soit une spécialité dermato, pardon, médico-chirurgicale. La dermato est une spécialité médicale,
mais qui se décline sur de l'interventionnel qui peut être ben voilà, du laser, de la petite chirurgie, des XRS de lésions suspectes, de carcinome, de mélanome, etc. Avec une formation ben, du coup, à acquérir au cours de son internat sur ces différents éléments-là. Et puis bien sûr, une des particularités aussi de la dermato, c'est qu'à la différence de certaines spécialités pédiatriques où il faut passer par un cursus de pédiatrie pour accéder à la surspécialité, je pense par exemple à la cardiologie pédiatrique ou la pneumologie pédiatrique ou que sais-je, la particularité de la dermato, c'est qu'en très grande majorité, l'activité de dermatologie pédiatrique, elle est faite par des dermatologues qui se sont formés à la dermatologie pédiatrique et non des pédiatres, même si les pédiatres, après, en consultation, gèrent beaucoup de dermatopèdes, mais je parle plus dans, on va dire, des structures hospitalières, c'est exercé en grande majorité par des dermatopédiatres. Donc effectivement, et je pense que ça, vous l'avez vu en bossant le CN, bien que je pense que la dermato est finalement, on va dire, l'exercice de la dermato n'est pas très représentatif de ce qu'on apprend à l'ECN et de ce qu'on apprend dans le collège, dans le sens où dans le collège, en fait, on survole les principales pathologies, et tant mieux parce que bah, c'est le but de l'ECN, hein, c'est pas de non plus vous faire apprendre toute la spécialité dans le détail. Mais je pense qu'une des particularités, alors certains peuvent considérer ça comme un inconvénient, d'autres comme un avantage, on va dire, c'est que la dermato, c'est quand même une spé où il va falloir apprendre beaucoup de choses, découvrir beaucoup de choses, parce qu'il y a finalement énormément de pathologies, plus de 3 000 pathologies en dermato qu'il va falloir apprendre à connaître, à reconnaître. Et c'est ça aussi, on va dire, une des forces de la dermato, c'est que parmi toutes les spécialités, je pense que la dermato, c'est une des spécialités les plus cliniques. Donc au début, bah, c'est un petit peu ingrat parce que bah, effectivement, c'est un apprentissage en fait. Donc quand on débute, bah, on galère, on voit des trucs, bon, bah, on les décrit, on ne sait pas bien à quoi ça correspond. Et en fait, plus on en fait, plus on progresse, plus on est en consulte, plus on voit des patients en hospitalisation, bah, plus on aiguise ce sens clinique. Et c'est ce qui fait vraiment en fait l'expertise du dermato, c'est que bah, le dermato, c'est avant tout un très très bon clinicien qui finalement se sert entre guillemets le moins possible des examens paracliniques, ou qui en tout cas avec son œil de clinicien, l'interrogatoire et bah, dans des situations complexes aidé de l'anapath qui a quand même une part importante en dermato. Bah, est amené à faire beaucoup de diagnostics et c'est aussi pour ça que bah, l'expertise du dermato elle est très prisée, notamment à l'hôpital dans le cadre des avis qu'on peut donner quand on est interne en stage, ou même bah, de manière générale en consultation de dermato une fois qu'on est installé ou qu'on bosse à l'hôpital. Donc tout ça, ça passe par bah, bien sûr toutes les pathologies infectieuses de manifestations cutanées et tout l'aspect vénérologie, on va dire, de la dermato, ça passe par tout le côté expression cutanée en fait de toutes les maladies de système de médecine interne, que ce soit le lupus, la dermatomyosite, le syndrome des antiphospholipides, bref, tout ce que vous pouvez trouver dans un collège de médecine interne. Globalement, à un moment donné ou à un autre, c'est une expression dermatologique et souvent la porte d'entrée du diagnostic, et c'est ça aussi qui est intéressant en dermato, bah, elle se fait via la peau parce que bah, c'est visible. Et puis il y a tout un pan aussi d'onco-dermato qui a, on va dire, explosé sur on va dire, les 2 dernières décennies avec le développement des immunothérapies, avec maintenant dans des situations de mélanome métastatique, bah, des alternatives, des possibilités thérapeutiques qui sont de plus en plus nombreuses. Et donc bah, finalement une véritable expertise du dermatologue formé à l'onco dans la prise en charge de ces pathologies-là, avec aussi toute l'importance bah, du dépistage, du diagnostic de ces lésions cutanées, et puis bah, par la suite du suivi aussi de toutes ces pathologies. Puis après, bah, d'autres aspects, notamment l'aspect plaie et cicatrisation, aussi bah, par exemple l'allergologie d'une manière plus large, et ça je vais y revenir avec Onco, parce que ça fait partie des FST qui sont éligibles, enfin, auxquels on peut avoir en tout cas facilement accès. Et qui sont recommandés quand on fait un DES de dermatologie.
En parallèle de ça, bah là, je vous ai quand même beaucoup parlé de la formation hospitalière. Il y a une part importante, et vous l'avez vu, c'est inscrit dans la maquette de formation en stage de libéral, donc avec des maîtres de stage qui exercent en libéral, ou de terrains de stage qui sont des terrains de stage mixtes avec, bon, on va dire, un certain nombre de journées qui sont exercées en libéral et d'autres qui sont faites, bah, par exemple, en consultation dans un service en CHG, en CHU, etc., etc. Donc, ces terrains de stage, c'est quelque chose de nouveau, ça s'installe. Ce qu'il faut retenir, c'est que, bah, il faut un travail au local pour pouvoir ouvrir ces stages, mais que ces stages sont en train de s'ouvrir, que c'est inscrit dans la maquette de la dermato, et que pareil, ça fait partie, quand on prend bah, simplement le fait que 80% des dermatos exercent en libéral, bah, c'est une nécessité de pouvoir se former à, on va dire, de la dermatologie de ville, parce que quoi qu'il arrive, un dermatologue en ville qui exerce, bah, il rencontre des pathologies courantes de la vie de tous les jours, auxquelles on n'a pas nécessairement accès facilement quand on exerce, enfin, quand on est interne à l'hôpital. Et puis après, bah, il y a aussi tout un aspect de bah, juste apprentissage de la médecine libérale qui est nécessaire. Et donc ça, en tout cas, c'est des terrains de stage qui existent, qui sont dans certaines subdivisions très développées, dans d'autres c'est un peu plus compliqué, mais c'est en cours de développement. En tout cas, c'est une part importante de la formation en dermato. Et cette part importante de formation en dermato, elle est aussi possible à travers bah, les remplacements. Donc, je pense que vous n'avez pas du tout suivi parce que vous aviez la tête dans le guidon pour votre D4, mais il y a eu un sujet cette année sur une volonté de modifier les conditions d'accès à la licence de remplacement. Fort heureusement, et grâce à l'ISNI, ça n'a pas bougé. Et donc, pour pouvoir remplacer en libéral, c'est-à-dire bah, vous rendre dans le cabinet d'un médecin installé en ville et remplacer une demi-journée, une journée à rythme régulier, irrégulier, bah, il faut avoir une licence. Et cette licence, on peut l'obtenir dès lors qu'on a validé 5 semestres d'internat, pardon, dont 3 en dermatologie, que ce soit hospitalier, libéral, tout ce que vous voulez. Donc tout ça, vous avez tous les détails sur le site de l'ISNI. Nous, on relaie sur notre site aussi des annonces qui sont postées par des médecins installés en libéral qui proposent des remplacements. Puis bien souvent aussi, ça se fait dans le cadre de bouche à oreille, parce que bah voilà, des médecins qui travaillent avec tel hôpital, ils cherchent des remplaçants, ils cherchent des internes. Généralement, ça se fait comme ça. Donc ça, de manière non négligeable, ça permet aussi bah, de s'assurer un revenu complémentaire. Alors c'est sûr, ça nécessite du travail en plus, mais on va dire qu'on ne crache pas dessus quand on est interne. Et puis surtout, c'est aussi un moyen de se former et de s'autonomiser à la pratique de la dermato et à la consultation en dermato. Donc je reviens sur le sujet des FST, donc formation spécialisée transversale. Donc je le rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route, en dermato, c'est un DES en 4 ans. Donc si on fait une FST, à la différence de d'autres DES qui sont déjà en 5 ans, bah, ça va rajouter une année qui sera une année de phase 2, de phase d'approfondissement, qui va être dédiée à, du coup, à valider les stages qui sont nécessaires à valider pour, bah, pour valider sa FST. Donc les 3 FST qui sont, on va dire, recommandé dans la maquette en dermato, mais il faut garder en tête que selon son projet, parmi toute la liste de FST qui existe, si on va dire que c'est quand même cohérent, on peut s'inscrire à d'autres FST, mais il y en a 3 qui sont, on va dire, reconnus dans la dermato. C'est la FST d'allergologie. Vous savez qu'il y a un DES d'allergologie, il y a aussi la possibilité de faire une FST d'allergologie quand on est en dermato. Il y a la FST de cancéro. Et puis, il y a la FST de pharmaco, qui est un peu plus confidentielle, mais qui existe et qui, par exemple, dans le cadre de quelqu'un, je ne sais pas, qui voudrait se spécialiser dans les toxidermies ou que sais-je, bah, pourquoi pas, en fait, faire une FST de pharmaco. En tout cas, ça fait partie des possibilités qu'on peut avoir quand on est interne de dermato. Donc, la FST, ça, pareil, je pense que ce n'est pas nécessairement le sujet des modalités ici, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, globalement, comment ça s'organise en 2 mots. Il faut contacter son coordonnateur local de DES. Il faut préparer un CV, une lettre de motivation. Envoyer ce dossier au pilote local de la FST. Et puis ensuite, votre dossier, il est étudié. Dans chaque subdivision, il y a un nombre de postes de FST de cancéro, d'allergo qui sont ouverts.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, par exemple, sur les FST de Pensero, il n'y a pas que des dermatos, bien sûr, qui postulent. En tout cas, pour l'instant, nous, en dermato, on n'a pas eu de retour, mais ça a évolué parce que, bah, les FST, c'est quelque chose qui est tout récent avec la réforme du troisième cycle. Mais en tout cas, on n'a pas de retour de personnes qui se seraient fait refuser une FST, qui n'auraient pas pu faire la FST qu'ils souhaitaient. Et bien sûr, nous, on est vigilants à ça de ce côté-là. Et donc, la FST de Cancéro, donc en pratique, pour la valider, bah, c'est un semestre en oncologie médicale et un semestre en radiothérapie, avec la possibilité de faire des semestres de radiothérapie soit en 100%, soit des stages qui soient complets, couplés avec, bah, par exemple, un stage d'onco-dermato ou un stage d'onco-général. La théorie, bah, il y a des cours en fait de FST qui sont assurés soit via des séminaires présentiels, du e-learning, etc., etc. Et donc après, bah, il y a une validation à l'issue de cette FST. Globalement, la FST de Cancéro, l'objectif, c'est de former des dermatos qui soient aptes à gérer les complications des traitements cancéreux, les indications des traitements cancéreux, leurs effets indésirables, etc., etc. Donc, plutôt à viser de quelqu'un qui veut travailler, on va dire quand même plutôt en hospitalier et qui veut se surspécialiser en onco-dermatologie. La FST d'allergo, donc en pratique, c'est un semestre en dermato-allergo et un semestre en allergologie multidisciplinaire. De la même manière, il y a des cours, une validation à la clé. Et donc là, la FST d'allergo, bah, soit c'est pour quelqu'un qui veut compléter sa formation et qui, dans le cadre de son activité libérale, bah, veut aussi avoir une FST d'allergo, pouvoir faire des patch tests, des pré-tests, des désensibilisations, tout ce que vous voulez. Soit qui veut travailler dans un service d'allergo-dermato, sachant que l'idée de la FST d'allergo, comme il existe un DES d'allergo, c'est pas de former des dermatos qui pourraient faire tout type d'allergologie, mais c'est de former, on va dire, un dermatologue à la surspécialisation d'allergologie. Après, c'est du ressort des allergologues d'être capable de faire de l'allergo-dermato, de l'allergo-pneumo, de l'allergo-alimentaire, de l'allergopède, etc., etc. Et c'est un peu de la même manière que la FST d'onco. L'objectif, c'est pas de former un dermatologue qui soit capable de prendre en charge tous les cancers, mais par contre, un dermatologue qui soit capable de prendre en charge de manière efficace bah, les cancers en dermato et les complications des traitements. Donc la validation du DES en dermatologie, elle est du coup faite dans le cadre de la coordination locale de chaque subdivision. Donc ça passe par, bah, bien sûr, la validation de ces stages. En fonction des subdivisions, il peut y avoir du contrôle continu, des examens qui peuvent être organisés ou simplement le e-learning avec des cours qui sont disponibles sur CIDES-NG. Dans le cadre en plus de sa validation de thèse, bien sûr, il faut généralement, mais ça, bien sûr, c'est subdivision dépendante, avoir par exemple un mémoire, ça c'est obligatoire, qui dans certaines subdivisions, bah, peut être sa thèse, ça dépend de la coordination locale, et pareil, un article publié dans une revue référencée qui peut être son mémoire, sa thèse, et ça, pareil, encore une fois, ça dépend un peu du bon vouloir de la coordination locale. Je vois une question de Caro qui me demande: bonjour, pour s'orienter vers une surspé en PED, ça se passe comment pour une FST? Merci. Bah, écoute, Caro, une surspé en PED, il n'y a pas de FST disponible parce que, en fait, le principe des FST, c'est que ce soit quelque chose de transversal, donc qui puisse s'appliquer techniquement à plusieurs spécialités. Donc, par exemple, bah, l'allergo, c'est pour des dermatos, des pneumos, des pédiatres, des endocs, que sais-je. L'onco, bah, c'est pour des pneumos, des chiruros, des dermatos, etc. Une FST de dermatologie pédiatrique, elle n'aurait pas beaucoup de sens. Alors, à l'heure actuelle, et ça, c'est quelque chose peut-être que vous verrez dans d'autres maquettes, mais qui n'existe pas dans la maquette de dermato, il y a la possibilité d'avoir des options au sein d'une maquette de DES, donc par exemple une option dermatologie pédiatrique. Pour l'instant, cette option en dermato, elle n'existe pas. Par contre, ce qu'il existe, d'une part, c'est des terrains de stage de dermatologie pédiatrique, hospitalier ou de consultation, avec lesquels, bah, par exemple, tu peux passer dans un stage de dermatologie pédiatrique,
faire ta thèse avec eux, éventuellement demander un poste, etc. Et puis ensuite, bah, orienter ta pratique sur la dermatologie pédiatrique. Et puis, il existe aussi un DU de dermatologie pédiatrique qui est généralement fait soit par des dermatologues, soit par des pédiatres, qui permet d'approfondir, on va dire, tes connaissances en dermatologie pédiatrique. Mais il n'existe pas, on va dire, de cadre formel qui te donne une surspécialisation en dermatologie pédiatrique. C'est plus en fonction du parcours que tu vas avoir, des terrains de stage que tu vas avoir, les personnes avec qui tu vas bosser, et puis bah, derrière, à côté de la formation que tu fais dans ton coin, en bossant tes cours, t'inscrivant à un DU, etc., etc. Mais je vais revenir rapidement sur les DU après. Et donc, dans le cadre de... J'espère que ça répond à ta question, surtout n'hésite pas si t'as besoin de plus de détails. Dans le cadre du coup de la formation en dermato qui est organisé du coup par le collège des enseignants, donc le CEDEF, qui publie aussi le collège sur lequel vous avez bossé cette année, mais qui est aussi en charge de la formation des internes, il y a ce qu'on appelle des séminaires. Alors là, c'est un petit peu en train de changer entre du format présentiel, du format hybride, du format distanciel. En tout cas, à l'heure actuelle, sur une maquette de dermato, il y a 4 séminaires que l'on doit valider de manière obligatoire pour valider son DES de dermatologie, qui sont le séminaire de dermatologie chirurgicale, le séminaire d'IST, donc de vénérologie, un séminaire en ligne de dermatopathologie, donc d'anapathie, pour avoir des bases en anapathie. Sachant que, par exemple, toujours pareil, hein, si on veut se surspécialiser en anapathie ou avoir plus de connaissances en anapathie, bah, il est possible sur un stage libre de faire un stage en anapathie sur un service qui a une valence dermato et de se former à ce type de choses. Et un 4e séminaire obligatoire qui est un séminaire de formation à la dermatologie esthétique et correctrice. Et à côté de ça, il existe d'autres séminaires qui sont dits facultatifs, auxquels vous pouvez vous inscrire tout au long de votre cursus, un séminaire de sémiologie, un séminaire de thérapeutique, un séminaire de dermoscopie. Donc la dermoscopie, on n'en parle pas beaucoup à l'ECN et avant l'internat, mais en gros, j'ai pas mon dermatoscope à côté de moi, je pourrais vous le montrer, mais en gros, c'est l'examen de lésions cutanées qui sont quand même principalement des lésions cutanées onco, donc du mélanome, du carcinome, etc., à l'aide d'une loupe avec une lumière polarisée qui permet, voilà, après il y a une sémiologie, on va dire, spécifique à la dermoscopie qui permet de étudier plus précisément un méduse, dire est-ce qu'il est bénin, est-ce qu'il est malin, et orienter un peu la prise en charge. Et ça, pareil pour toutes les lésions d'oncodermato, c'est aussi un petit peu développé dans les lésions de dermatologie inflammatoire, mais moins. Et donc, par exemple, là, il existe un séminaire de dermoscopie, d'initiation à la dermoscopie qui est accessible aux internes. Et pareil, de la même manière, à côté, il existe un DU de dermoscopie pour, si on souhaite vraiment se surspécialiser là-dedans, par exemple, si on bosse en onco, on va dire développer ses connaissances là-dessus. Donc, il existe tout un tas de séminaires. Alors DMA, c'est dermatologue métier d'avenir, donc c'est plus un séminaire qui est axé sur les différentes carrières en dermato, comment s'orienter sur une carrière en libéral, mixte, hospitalière, hospitalo-universitaire, tout ce que vous voulez. Et puis notamment aussi, du coup, un séminaire de laser. C'est une liste qui est, je pense, exhaustive, quoique il en manque peut-être un ou deux, mais c'est pour vous donner une idée que sur son cursus en dermato, le collège des enseignants, en plus des cours qui sont disponibles en ligne sur le site de CIDES-NG, propose des séminaires qui sont organisés annuellement, certains qu'il faut valider obligatoirement pour valider son DES, d'autres qui sont facultatifs et qui dépendent de votre intérêt pour diverses, facettes de la dermatologie. Donc je reviens, mais j'en ai déjà pas mal parlé sur les DU et les DIU qui sont accessibles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les DU sont payants. Nous, notre souhait en tant qu'assaut de jeunes, ce serait que ces DU puissent être intégrés dans notre cursus, soit de manière globale, dans le cadre de séminaires plus approfondis, soit éventuellement dans le cadre de la création d'options, mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, à l'heure actuelle, il existe des DU. Les plus réalisés, généralement, c'est
J'en parlais avant, le DU de pédiatrie, qui est un DU en ligne. Et le deuxième aussi, qui est très fréquemment fait, pardon, qui est aussi un DU en ligne, qui est le DU de manifestation dermatologique des pathologies systémiques. En gros, c'est un DU de dermatologie médecine interne qui reprend toutes les grandes pathologies de médecine interne, mais plus aussi les maladies de système, donc tout ce qui est pathologie générale, diabète, digestif, tout ce que vous voulez, hémato, pathologie hémato, d'expression cutanée, etc. Et donc, il y a aussi un DU qui se fait en ligne, avec à l'issue, comme pour le DU de pédiatrie, un partiel à la clé. Et il existe d'autres DU, le DU de dermoscopie dont j'ai parlé, le DU d'infectiologie, donc là qui est plus axé sur à la fois les IST, mais plutôt, on va dire, sur différents modules, virologie en dermatologie, bactériologie en dermatologie, parasitologie en dermatologie, et qui s'axe plutôt sur les personnes qui veulent par exemple aller travailler, faire de l'humanitaire et qui ont besoin d'avoir des meilleures connaissances sur des pathologies infectieuses qui peuvent être plus rares, soit des personnes qui souhaitent aller par exemple faire un semestre en Guyane pour se former plus spécifiquement à ce genre de choses, ou simplement des personnes qui veulent développer une activité plus d'infectiologie, ou d'autres qui veulent travailler en Cégide et donc faire plus spécifiquement de l'IST. Voilà, ce DU existe. Un DU de chirurgie dermatologique, alors, qui est plus généralement fait soit par des vues internes, soit par des jeunes chefs. Alors ça, l'idée, c'est un DU, pareil, qui est visé à se surspécialiser dans la chirurgie dermatologique. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un interne en dermato, à l'issue de son DES, il est censé savoir, on va dire, faire des gestes de chirurgie dermato de base, c'est-à-dire des exérèses simples, de lésions suspectes, savoir faire des sutures un peu compliquées, tout ce que vous voulez, mais le DU de chirurgie dermatologique, il va plutôt s'appliquer à des personnes qui veulent vraiment bosser en centre spécialisé, faire des exérèses compliquées du visage, avec éventuellement des reconstructions avec des lambolipes, ce genre de choses. Alors, ce n'est pas de la chirurgie plastique, ce n'est pas de la CMF, mais voilà, c'est un peu un entre-deux de chirurgie qui peut être fait par des dermatos, mais qui ne peut pas être fait comme ça dans un cabinet de ville et qui nécessite une formation un peu plus spécialisée. Donc, on va dire qu'il y a des options, on va dire, assez diverses en termes de DU qui sont disponibles pour, on va dire, approfondir sa formation en dermato. La seule petite remarque qu'on pourrait avoir, et c'est ce qui est dommage, c'est que effectivement, ces formations, elles sont payantes et notre position, c'est que pour les internes, elles ne devraient pas l'être parce que sur notamment certaines formations et celles qui sont les plus faites, pédiatrie ou maladie systémique, ça devrait être des choses qui devraient être d'une manière ou d'une autre incluses dans notre formation. Un autre moyen de se former en dermato, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est les congrès. Il existe un congrès national qui est organisé tous les ans en décembre par la Société française de dermato, qui sont les journées dermatologiques de Paris, donc qui est le gros congrès auquel généralement le plus d'internes participent. De la même manière, la Société française de dermato, qui est la société savante en dermatologie, la société scientifique, elle organise des séminaires tous les trimestres qui s'appellent les 4 saisons et qui sont sur des thématiques variées mais auxquelles les internes peuvent assister ou en tout cas il y a possibilité de les voir en replay. Et puis après, derrière, il y a des formations qui peuvent être organisées en webinaire, notamment par le syndicat national des libéraux en dermato, etc., etc. Je passe sur les congrès internationaux, mais ils existent. Et puis, il peut exister aussi au niveau régional des cours interrégionaux, par exemple sur la région Nouvelle-Aquitaine, ce genre de choses, où il peut y avoir une mutualisation de ces cours et de ces journées de formation. Nous, de notre côté, c'est le moment d'être un peu chauvin quand même, avec l'assaut des jeunes, on organise aussi plusieurs événements de formation. On organise, nous, ce qu'on appelle des webinaires, qui sont des soirées thématiques, qui dure généralement entre 2 et 3 heures. On essaye d'en organiser au moins 5 par an, donc tous les 2 mois globalement, sauf l'été. Donc ça, par exemple, c'est celle qu'on a faite jusqu'à présent cette année. Et donc, vous voyez, on essaye, nous, de faire des soirées qui soient mixtes avec d'autres associations de jeunes, donc de jeunes spé, et donc des soirées de formation en dermato allergo, en urgence et réanimation, en pédiatrie, comme on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en dermatologie pédiatrique, et de la même manière, dermato et onco,
Donc ça, c'est via l'asso des jeunes, donc via la FDV, via notre association, vous pouvez avoir accès gratuitement à ces formations qui sont d'ailleurs après disponibles en ligne sur notre vidéothèque où on stocke tous nos éléments de formation. Donc ça, voilà, c'est un petit aperçu de la vidéothèque que vous pouvez toujours retrouver sur le site fdvf.org. Alors pour ceux qui d'entre vous qui choisiront la dermato, ce sera très simple pour s'inscrire sur le site parce que cette vidéothèque, elle est accessible qu'à nos adhérents. Il faudra juste nous transmettre, bah, par exemple, votre affectation du CMG et nous, on vous validera votre compte et à partir de là, vous serez adhérent à la FDVF et vous aurez vos accès sur le site. De la même manière, nous, on organise de manière annuelle un congrès, donc là, qui devait se tenir en juin, qui va se tenir fin octobre. Donc là, l'idée, c'est pareil, d'organiser 33 créneaux de formation, donc ils sont de la formation théorique, donc des cours qui durent 1 heure sur un week-end avec, voilà, dîner, soirée, tout ce que vous voulez. Donc c'est très très sympa. On espère vous voir à celui du troisième congrès qui devrait être organisé en juin 2022 parmi ceux d'entre vous qui vont choisir la dermato. Et donc ça pareil, c'est des possibilités de formation soit en présentiel, soit effectivement, bah, après, nous, toutes nos formations, elles sont enregistrées, disponibles sur notre vidéothèque. Une dernière diapo avant d'éventuellement bah, prendre toutes vos questions et discuter avec vous. Nous, on organise, alors ça, c'est l'ancienne affiche, celle de novembre dernier. D'ailleurs, le séminaire, enfin, le week-end de rentrée, c'est pas tenu en présentiel du fait du Covid. Mais on organise maintenant un week-end de rentrée en novembre pour tous les face socles de dermato. Donc là, ce sera du 19 au, pas au 20, parce que ce sera tout le week-end du vendredi soir au dimanche. Donc ce sera du 19 au 21 novembre à Marseille. Et donc ça, c'est, on va dire, une sorte de mini-congrès. C'est surtout un événement pour vous accueillir dans l'aspect et puis pas du tout vous faire des formations théoriques de cours, mais plus bah, un petit peu rentrer plus dans le détail de ce que là, j'ai pu vous énoncer en 45 minutes. Mais voilà, vous faire plus de manière plus approfondie quelles sont les instances en dermato, comment l'internat en dermato, ça se passe, comment se passe la recherche en dermato, un point sur, bah, voilà, être interne, qu'est-ce que c'est, mon statut, mes devoirs, mes droits, vous donner quelques éléments un peu sur les outils bibliographiques que vous allez être amené à utiliser en stage pour faire vos bibliographies, travailler sur votre sujet de thèse, etc. Enfin voilà, c'est vous donner un petit peu toutes les clés pour ceux qui seront jeunes internes de dermato en novembre bah, voilà, pour que vous commenciez l'internat dans de meilleures conditions. Que vous rencontriez vos co-internes, que vous rencontriez les autres internes d'autres spé, parce que finalement, la dermato, chaque année, ce n'est pas des grosses promos. Alors, on aimerait qu'il y ait plus de dermatos formés, mais à l'heure actuelle, c'est moins d'une centaine de dermatos. Alors, on n'a pas encore les chiffres pour cette année, mais globalement, ça devrait être autour de 95 postes ouverts en France. Et donc, voilà. Ça, c'était pour conclure sur, on va dire, une note un peu plus. Un peu plus, mais sur une note un peu positive en vous disant que voilà, si vous choisissez la dermato, nous on vous attend avec grand hâte et on sera très content de vous rencontrer à Marseille en novembre. Bah écoutez, moi j'ai fait le tour de mon diapo, je pense que j'ai survolé tout ce que je voulais vous dire. Après, on peut toujours rentrer plus dans le détail. Comme je vous disais au début, pour tout ce qui est plus, on va dire, question spécifique de comment ça se passe dans chaque subdivision, quelles sont un peu les spécificités peut-être de chaque subdivision, comment s'organise l'internat dans chaque subdivision, et pour vous aiguiller un peu dans vos choix, bah, vous avez sur notre site fdvf.org la carte interactive avec tous les contacts de nos référents. Donc ça, vraiment, je vous invite à aller le voir et à les contacter directement. Mais sinon, pour tout ce qui est plus général sur l'internat dermato, bah, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Toulou. Eh ben, je vois pas de questions. Vraiment, n'hésitez pas. Hein. Moi, j'ai toute ma soirée. J'ai rien prévu. Donc,
c'est le moment, pas ou jamais, parce que sinon vous pouvez toujours me recontacter par la suite, mais c'est le moment. Rester comme ça très longtemps. Je vois qu'il y a toujours 28 personnes de connectées. Bonsoir. Ah, une question. Bonsoir. J'ai peut-être loupé un moment. Pourriez-vous décrire les différents gestes possibles en dermato, chirurgie, laser, etc., s'il vous plaît? Ah, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai détaillé. Alors, pour détailler un petit peu ce qui se fait et ce qui peut se faire en dermato, donc effectivement, en gros, on va dire que ça se décline peut-être en trois choses. La dermatologie chirurgicale qui va être de la dermatologie d'exérèse, de lésions cutanées. Donc ça, comme je disais, en fait, soit il y a, on va dire, le niveau de base que doit avoir tout interne de dermato et tout dermatologue installé, c'est-à-dire pouvoir faire des exérèses simples de lésions, et puis ensuite pouvoir faire des reprises chirurgicales. Par exemple, quand on dit, ben voilà, un mélanome, il faut le reprendre à 1 cm, à 2 cm, ben ça, c'est quelque chose qu'un dermatologue est censé être capable de faire, et de, en tout cas, être formé d'un point de vue technique à faire ce genre de choses. Il y a tout l'aspect, et c'est vrai que c'est aussi un aspect important, notamment en dermatologie de ville, qui va être l'aspect esthétique de la dermato. Donc que ce soit notamment les injections ou tout l'aspect laser, alors qui peut être du laser esthétique. Et puis après, il y a toute l'activité de laser qui est un peu plus spécialisée, qui peut être soit du laser médical dans certaines indications, pardon, soit du laser purement esthétique, qui va être bah, soit du laser du laser à colorant pulsé, par exemple, pour les taches vasculaires. Vous pouvez faire aussi une activité de laser de tatouage. Alors après, bien sûr, il y a bah, le laser épilatoire qu'on connaît tous bien, mais globalement, voilà. Après, tout dépend du domaine de surspécialité que l'on choisit, mais globalement, il y a des formations complémentaires dont on a parlé, on va dire, des possibilités de surspécialisation qu'on n'aborde pas toujours, on va dire, pendant l'internat, mais qui sont accessibles notamment après la fin de l'internat pour se surspécialiser là-dedans. Faut pas s'attendre en choisissant la dermato à se dire je vais faire une spécialité où je vais faire que de la chire, un maximum de chire, bien qu'il y a des dermatologues surspécialisés dans certains centres qui ne font que ça et qui sont très compétents et qui font des très belles choses et des choses très compliquées. Mais je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que si on a envie d'une spécialité médicale et puis qu'à côté on n'est pas contre faire des petits gestes parce qu'on aime bien, parce qu'on trouve ça sympa et que on n'a pas non plus envie de faire de la grosse chirurgie, mais que c'est des choses qui nous plaisent et qu'on a envie de garder, bah en tout cas en dermato, il y a vraiment de quoi faire dans ce domaine-là. J'espère que ça répond à ta question, Eva. C'est vachement bien d'afficher les questions comme ça. Et donc une autre question de la part d'Apolline. En dermato, quel type de garde doit-on effectuer? Garde de pavillon et à quelle fréquence à peu près? Merci. Alors, en fait, en dermato, on est soumis au même régime que n'importe quel interne de spécialité médicale. Et ça se passe comme ça dans la quasi-totalité des subdivisions. Je pense, même je suis sûr, c'est-à-dire que bah, quand on est dans un service, dans un CHU, bah, on est sur la liste de garde des internes de garde aux urgences du CHU. Quand on est dans un CHG, s'il y a des urgences auxquelles les internes font des gardes, bah, on est sur la liste de garde. Alors après, dans certains types de services, enfin, surtout dans un certain type de stage, notamment si tu fais un stage en libéral, bah, c'est sûr que là, tu ne vas pas avoir de garde. Mais globalement, à partir du moment où tu es à l'hôpital, il n'y a pas de différence entre toi et un autre interne de spécialité médicale, hormis des internes de spécialité médicale qui vont avoir des gardes dans leur service, comme par exemple, je pense,
j'en sais rien des pneumos, bah, des cardio, mais ça c'est encore autre chose. Mais en fait, pour te répondre en termes de combien de gardes on doit effectuer, bah, ça dépend en fait de l'hôpital dans lequel tu es. Ça peut être des gardes aux urgences, ça peut être des gardes d'étage, ça peut être des gardes mixtes, étage et urgence. Et dans de très très rares cas, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a peut-être qu'un seul service à Paris où ça se passe comme ça. Tu as des gardes en dermato, mais c'est parce que c'est le service qui fait toutes les toxidermies graves, les laïeules, etc. Mais je ne suis pas certain, je ne crois pas que ça existe dans d'autres services de dermato. Donc en dermato, garde aux urgences comme toutes les autres spécialités médicales, et ça jusqu'à la fin de ton internat. Eva qui me repose une question. C'est possible par exemple de faire une activité 50-50, geste, consultation, libérale, ou ça reste quand même surtout de la consultation? Non, 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 pas du tout. T'as beaucoup de dermatologues installés qui, en fait, une fois que tu es installé, tu t'organises ta consultation comme tu le souhaites. Mais si tu veux faire 50% de gestes, 50% de consultation de dermato, on va dire 100% médical. Ça, c'est tout à fait possible à organiser, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui le font de cette manière-là. Donc ça, non, c'est pas du tout un problème. Est-ce qu'il y a encore des questions parmi les 18 personnes toujours connectées? De toute manière, je le répète, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent à la suite de cette présentation, ou si jamais vous avez des potes qui se posent des questions sur la dermato, bon, déjà, ce webinaire il sera dispo en replay. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à nous contacter, soit nous directement, soit sur notre site internet, les référents subdivisions pour leur poser des questions plus spécifiques sur la formation. Dans chaque ville. Nous, on est complètement à votre disposition tout l'été. Et puis, bah, pour ceux qui choisiront la dermato, et bah, on vous accueillera, comme je l'ai dit, avec grand plaisir en novembre, au week-end de rentrée qui sera organisé pour vous. Et on vous donnera tous les détails techniques pour ça. Mais voilà, n'hésitez surtout pas, on est à votre disposition. Et je propose que si plus personne n'a de questions, on arrête la diffusion ici. J'attends 15 secondes de politesse. Si quelqu'un est en train de taper quelque chose. Ok, et bah très bonne soirée à tous, et bah, à très bientôt, je l'espère. Salut!